Allez, le match va commencer, champ de bataille. Echo, Bowser, charade, random. Et c'est un petit maléfique. Non, c'est Pete. C'est Pete. Je pourrais même pas te dire. C'est Dark Pete, il a les ailes noires. Il y a que Dark Pete qui a les ailes noires. Non, ça c'est Dark Pete. Ah, allez. Il commence avec un petit tassé. Voilà, il attend bien. Et la flèche. Alors là, Yami a alors je pense qu'il faudrait que Bowser peut-être se calme un peu, voilà, commence à récupérer le jeu. Qui tue assez vite. Bowser, on sait qu'il peut tanker, je pense qu'il peut. C'est pas gênant qu'il ait perdu une stock maintenant, il a que 11%. Voilà, moi ça me fait peur ce genre de truc, tu vois. Voilà, ça, ouais. Ce dernier était bien joué, j'aime beaucoup. Par contre, Pete, il revient bien. Pete, je pense qu'il faut essayer d'aller le récupérer en sautant du bord et avec un petit backer, quoi. C'était les flammes, j'aime beaucoup l'attaque des flammes. Quand je récupère son Pokémon, quand je prends Charizard, j'adore énormément. Je comprends, il y a beaucoup de match-up, mine de rien, c'est bien de cracher des flammes. Là, par contre, il s'est trop chopé. Franchement, tout à l'heure, il a passé des bons tilts, Echo, on l'a pas souligné, mais franchement, il a passé des bons tilts. Je pense que là, il est peut-être pas besoin de faire ce chop, il veut à tout prix ce chop. Attention, et du coup c'est les flèches de Pete, on est d'accord, hein, c'est Pete. Voilà, le petit, tu vois, eh, franchement il les place bien, c'est Il a bien tupé, les flèches suivent. C'est intécable. Pourcentage. Allez hop. Allez, on... voilà, c'est dans le neutral air. Continuer, dommage, direct après on entame la shop. Je suis bien avec Pete, il a bien à choper, il est bien à pression, voilà, et là il essaie, là la tech était très bien jouée. Voilà, il le chope, un solo, vers l'avant, aïe, c'est pris la relevée. Beaucoup de chop Charade, je pense qu'il devrait peut-être jab un peu plus Bowser encore, voilà, il va le chercher avec la fin du Charade, vraiment bien les options, il a fasse attention au grab, il jab un petit coup quoi, parce que là, putain, voilà, Dantec, il y a eu le petit rebond et il a suivi avec ce fer. Du coup ça fait 1-0 pour Charade, qui du coup ne va plus avoir Pete, il va avoir quelqu'un d'autre. Mais en tout cas son Pete il avait l'air d'être efficace, hein. Il suivit bien l'ennemi, beaucoup de chop. Même au niveau des smash, ça va être agressif sur Bowser, il va faire plaisir, attention. Voilà, crash tes flammes, crash ce feu, comme on dit, voilà, direct il trouve un fer. Plus. Hop. C'était réaliste. Voilà, Echo qui crash ses flammes pour essayer de couvrir la relevée, mais direct comme il arrive et il dash attaque, il met tout pareil, hop, il revient sur le terrain, voilà, le fer, le Bowser, voilà les flammes, et là par contre les flammes sur ce match-up c'est trop bien normalement, attention, ah, normalement ouais, normalement les flammes ils devraient y aller là, wouah, finish him, c'est très bien joué, et Chrome il est pas content, direct il charge un vie, on neutral vie, hop, hop. Quelle rapidité dans les airs ce Chrome. Et voilà, là c'est lui qui remet le smash. Ah c'est bien, il attend mieux quoi, là. Je crois que la DF c'est un peu mieux, c'est un peu plus large. Voilà, hop. Toujours en bord du terrain, mais la pression, attention. Oh, il prend la retombée du up smash quoi.
Ah non, ah, parce qu'il était trop dessous en fait. Les flammes, elles étaient trop à l'horizontale. Et lui, il a... Là, maman, ah dommage, il a retenté. Ça, il faut qu'il fasse, ça, c'est bien. Voilà, hop, back throw. Alors attention, là, il va le chercher. Non. Ah, il y a un backer qui allait partir. Le petit disque qui est dommage. Ouais. Alors, voilà, on retient le tilt, là il va à l'autre terrain, il fait un peu chier, on prend la toque. Et là, Charak qui revient pas content, toujours, il commence avec ses tilt. Charak a un bon attentat, attention à le smash. Malheureusement, avec 3-6-3 qui est moins à l'aise dans le neutral, que Ico il arrive beaucoup mieux, il arrive beaucoup plus à prôner son jeu. Ico prône plus son jeu, Charak a plus que... qu'il a un bon contesté. Malheureusement, tu vois, c'est bien. Pas fini. Hop, voilà, il remonte. Et là, par contre, tu pièges là. Ne pas te cracher ce feu, voilà, le pari. Avec le tilt, crache ce feu. Ah, dommage. Il passe trop dessous là. C'est... Ah, voilà. Ouh. Voilà, il a essayé quand même un petit contre dans le vent, ce qui s'est sorti super mal. Là, il va attendre à l'edge. Le smash puni par une chop qui passe à côté. Il va essayer d'aller le chercher avec ce FR, mais non. Et voilà, puni smash et ça tue. De peu. Echo revient sur le terrain. Voilà, direct, neutre à l'air, il cherche le fer pirate. Fer. Ouais, les deux reviennent, il n'y a pas de soucis. Ouais, c'est bien. Attention, oui, il y a eu un contre qui fait parti dans le vent. Voilà la flamme, on crame, et là il y a une chope qui est derrière un truc. Ouais, alors attention, Ouais, faire le. Chrome, tu mets la pression avec les jabs comme ça. Faire attention au ledge, midom, parce que Chrome il tue 70 ce que tu as. Et là, les flammes, Voilà, attention, par contre, il faut avoir. Maintenant, il sait qu'il faut pas qu'il chie. Attention! Ah non, le down air comme ça. Le down air comme ça, c'est vraiment dommage. Il a fait la game ici. Il a fait sa capture de charade, de spot dodge, tout ça. Il a une fois le mieux dessus. Alors, il passe pas à GG aux deux joueurs.